Bonsoir Twitch, est-ce que ça biche? Et c'est parti pour la soirée fête foraine, la soirée fête foraine. Découvrez nos attractions incroyables comme la visite de l'ultra PGM qui va jouer à Binding of Isaac. Binding of Isaac. Ça me fatigue. Je ne vais pas faire ça toute la soirée. Je sais que certains adoreraient, hein, mais... Notamment toi, Noriko Hordake. Ah mince, je suis plus subscriber, je ne sais pas. Oh, mais pourquoi es-tu plus subscriber de Noriko Hordake? Par contre, tu es Noriko Hordake Clip Champ. Donc tu es Clip Champ et plus subscriber. Mais what the fuck? Tu me fais honte. Tu me fais honte, Noriko Hordake. C'est des relents de vomi. Eh bien, si les cornes enragées. Et je suis de nouveau là. Toujours. Tu es un beau pseudo. Ceci dit, ça doit faire peur, une licorne enragée. Est-ce qu'elle t'attaque avec ses dents, tel un cheval, ou ses sabots, ou bien avec sa corne? Je ne sais pas. Oh, salut, Zach Barbel. Salut, Gloptopus. Qui a pledge la box gold sur le Kickstarter de Isaac Card Game? La gold box, c'est la combien, ça? Four Souls. Moi, j'ai backé à... C'est la gold box, ouais, c'est celle à $35. C'est ce que j'ai backé, moi. Salut, Enki. Cette question ne te donne pas le choix. Comment que ça va bien? Bah si, en fait, tu peux juger sur... tu peux juger à combien tu fais ton ça va bien, quoi. C'est déjà bien. Et oui, si, j'ai travaillé, Zach. Hein. Intensément, mais j'ai travaillé. Et du coup, c'est fini. Tant mieux. Enfin, pour le moment, après le live, je retravaille dessus, mais tout va bien. Et j'ai pas du tout envie de travailler là tout de suite, donc un live, c'est très bien. C'est comme travailler, mais en plus cool. Du coup, ce soir, je trouve la livraison tellement chère, je pense que c'est dû au Playmate. Alors, Max Pins, en fait, ils ont clairement dit qu'ils allaient voir... pour ça, mais en fait, je pense que tu ne te rends pas compte du poids de... attends, c'est combien de cartes? C'est 300 cartes, un truc comme ça. Attends. Four Souls, c'est... Donc, 300 cartes, 100 pennies. Ça pèse une tonne. Et 68 cartes en plus. Plus les autres cartes. Donc, c'est à peu près 400 cartes et 100 pennies. Et c'est extrêmement cher. Il y a pas dans la gold box, il y a pas le machin. Mais non, c'est très cher. Je pense que t'as jamais commandé des trucs aux États-Unis. C'est très cher d'envoyer depuis les États-Unis jusqu'en France. J'ai commencé Blend S. Je suis face à un dilemme. C'est quoi Blend S? Une série de mangas comiques au format 4 cases, écrit par je sais pas quoi. D'accord, et puis je ne connais pas. Très bien. Tu rattraperas des... Oui, enfin, Noriko Hordake, tu ne rattrapes rien du tout. Tu n'es pas sub. Tu n'as même plus le droit à... Du coup, je vais t'interdire à toi les accès au Rif. Expressément. T'as pointé pour ta pause. Non, c'est faux, Zach. Je sais que t'es un salaud. C'est fait par les développeurs d'Acoly. Quelle horreur. Mais ouais, les livraisons, c'est cher aux États-Unis. Et d'autant plus sur des trucs comme ça où à l'avance, tu dois calculer, tu sais pas combien tu vas en envoyer et tout. À mon avis, ils vont peut-être baisser les prix après, mais on verra. Bah, Zach, je comprends, ouais. J'ai abandonné le live de MV pour toi, Maskin. Ah, Enki, c'est bien. Mais ceci dit, tu es quand même Prime mon sub et je suis sûr que tu es sub à MV. Je ne sais pas comment le prendre, du coup. Un manga avec des Irelé dedans. Je suis sûr qu'en plus c'est vrai parce qu'ils l'ont dessiné et du coup tu dis ça pour troller, mais que c'est vrai. Donc pour ça, je te déteste.
Du coup, je vais direct lancer le jeu, hein, les gens. On fait pas de discussion pendant 1 heure. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais c'est qu'à un moment, il faut jouer, il faut avancer. On va faire du grid. Ça sera plus simple. Ça nous permettra de nous mettre en jambes. Donc, tu te lances en plein écran, toi? Ok, d'accord. Pourquoi? Et non, mais vraiment, en fait, pourquoi? Et attends. Attendez, hein. Ah, d'accord, ouais, tu fais nimp, en fait. Alors, attendez, on avait mis moins large. Et certainement moins haut. Voilà. Ça va le son? J'ai pêché 2 fois pour The Seventh Continent et c'est plus de 700 cartes par jeu. Je pensais que le jeu plus exhaustion et assez on a tous eu le même pour 20 € max de mémoire. Et Max Pin, le truc c'est qu'encore une fois, ça dépend par comment ils font. Aussi bien par exemple, Max Pin, il y a un truc qui est tout bête, mais c'est genre les grosses maisons d'édition, et The Seventh Continent c'est le cas, ils font en fait des lieux dans le monde où d'où sont livrés les trucs. Et il y en a beaucoup de trucs de jeux de rôle qui font ça. Et en gros, bah, c'est facile entre guillemets pour eux de baisser les prix parce que bah, par exemple, si t'envoies depuis la Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus simple. Ça baisse vachement le prix, quoi. Et perso, je m'en branle de débloquer les persos, surtout de débloquer des objets. Quoique, j'ai bien envie de jouer avec Kane. Non, on va se faire une hard avec Kane. Parce que je préfère Kane à Isaac. Mais Isaac, on veut... Ah non, non, non. C'est de la merde, on veut débloquer le truc. Non, on va faire une normale, alors. Bon, on va essayer d'avoir des trucs cool. Ah oh merde. On veut du XXL ou une salle déjà. On va voir la salle. Alors, une chance de tirer a creep living tear. Qu'est-ce que c'est une creep living tear? Ah mais c'est dégueulasse, c'est du pu. Ça me dégoûte. Je ne veux pas ça. Oui, j'ai le droit de refuser Curse of the Blind, donc ça va être aléatoire, on ne sait pas. Toxic Blood. Ouais, mais j'ai pas envie de démarrer avec Curse of the Blind. C'est quoi le jeu? Eh bien, c'est Binding of Isaac, voyons. C'est marqué dans le titre du live. Alors, c'est pas mauvais, hein. C'est un random, mais ça peut être très chiant, en fait. Est-ce qu'il change en temps réel? Je ne sais plus. Je sais pas. C'est pas mauvais. Mais c'est pas top. Ouais, c'est en temps réel, non? Ça change. C'est pas la pire truc. Ah non, l'histoire du jeu, d'accord. Eh bien, l'histoire du jeu, c'est l'histoire d'une mère dont Dieu la contacte pour lui dire que son fils, enfin, qu'elle doit prouver déjà sa foi, mais que surtout son fils est impur. Et donc, Dieu demande à cette femme de tuer son fils, Isaac. Et donc, Isaac décide de s'enfuir dans les sous-sols et découvrir ça. Je lâche du caca. Pourquoi je lâche du caca? Voilà. Bah, le truc c'est qu'encore une fois ça revient vite cher quoi. Maintenant tu sais il y a des c'est la première fois qu'ils font un jeu faut pas l'oublier quoi. Donc peut-être que par la suite, ça reviendra moins cher, on ne sait pas. Bon, on est plutôt bien, là. De la thune, des cœurs, on est bien. Single, donc ça va. Chaque fois, il me nique la gueule à tirer de côté.
Donc on est plus dans l'imaginaire hein, du petit garçon Isaac qu'autre chose. Hein. Si vous vous demandiez... Oh fuck. Il a fait un parcours assez intéressant. Non, en vrai, c'est pas mauvais le Random Buddies. En vrai, j'aime bien. Mais non, mais Maxime, joue. Mais putain, sérieusement. Enfin, alors ça, par contre, c'est pas terrible. Enfin, quoi que si, c'est un... Ouais, c'est un LSF. Je ne sais plus ce que ça... Merde, j'ai pas lu. Attendez, on va le retirer. Ah oui, d'accord, bah, c'est un truc qui est vachement bien, en fait. Ça vous permet de récupérer des cœurs entiers à la place des demi-cœurs. Et en plus de ça, quand vous utilisez une clé, ça vous soigne. Mais, par contre, ça repousse les trucs, non? Ah ouais. Voilà. Mais je sais plus c'est quel truc que j'avais fait où justement ils avaient changé les frais de port de ouf, en fait. Et ils avaient augmenté. Parce qu'en vrai, c'est vite, c'est rapide que ça augmente, en vrai. Bah après, par exemple, tu vois, là, Tales from the Loop, les mecs, ils ont reconnu qu'ils ont chié dans la colle niveau envoi, et du coup, ils viennent de dire qu'ils ont fait un premier envoi. Et le deuxième envoi avec l'extension machin chose sera envoyé gratuitement en septembre, je crois. Donc là, notre but c'est d'aller à Sheol ou à la cathédrale. Et de finir. Je ne sais plus c'est quoi en premier, je crois que c'est la cathédrale de toute façon. Non, Sheol en premier, je crois, de toute façon. Et donc tuer Satan. Juste Satan, pas Méga Satan. Méga Satan, on n'y est pas. Hein. Mais Maxime, joue. Truc de parler et dire de la merde. Du coup, là sur le chat, il y a des gens qui ont participé à beaucoup de. Oh là. Qui ont participé à beaucoup de Kickstarter. Moi, en tout, j'en ai participé à beaucoup. Maintenant, c'était des petites sommes. Genre 5, 10 balles. Je sais pas si j'aurais pu participer que ça. Ça fait peur, en fait. Bon, par contre, ouais, bien joué, c'est pas une option, apparemment. Le chat est tout mort. Et non, la nuit, le chat n'est pas très actif. C'est comme je le dis, ce ne sont pas les mêmes lives que les lives normaux. Ça ne doit pas l'être, d'ailleurs. ⁇ 1%, c'est 100%. ⁇ 1%, c'est 100%. Donc ça, c'est cool. Ça augmente ma vitesse de tir. Non, c'est très bien. Hop. Ah, on a un truc qui soigne tous les cœurs, en fait. Le David Dean. Sauf qu'il y a une meilleure ambiance la nuit. Je sais pas. Mostro, notre meilleur ami. Moi j'aime bien un peu. J'aime bien les deux. Mais c'est pareil, les lives jeux de rôle, c'est jamais la même ambiance que les lives normaux. Parce que forcément, je suis moins actif sur les chats. Maintenant, c'est des lives qui sont plus divertissants généralement. Ça c'est cool.
Ouais. Je suis à combien de dégâts là? J'ai baissé non? Fuck, je suis à 1,52. C'est pas terrible, on va être franc, c'est pas terrible. Ça sert à rien, on peut pas y aller. Deux bombes quand même, on verra après. Bah ceux de 21h, oui, c'est pour ça, c'est cool. Eh, sérieusement, faut que je regarde un peu plus l'écran. En même temps, si je me mettais plus face à l'écran aussi, ce serait peut-être un peu mieux. Je vais décaler la fenêtre. Ah, parce que là, j'ai quand même la moitié de mon écran qui est bougé par le micro. Laquelle série est Flamme? Les cassettes mystérieuses, le seuil de l'étrange, le projet... Enfin, c'est pas une série, FMV, ACM. Et c'est vrai, ça. Le seuil. Eh bien le seuil, je vais bientôt faire une vidéo dessus. Pour expliquer un petit peu où ça en est. Quand est-ce que ça sortira? Putain, j'ai pas fait gaffe. J'ai juste vu de la caca, j'ai pas regardé. Je pense qu'en fait là, mon problème, c'est que j'ai un peu trop agrandi l'écran. À partir du moment où je dois tourner la tête pour voir l'écran, pas un bon choix. Oui! Ça c'est une excellente nouvelle, puisque je vous rappelle que je suis soigné quand j'ouvre les portes et que j'utilise une clé, sauf que ça m'offre des clés. On est à combien de points sub? On est à 462, je crois, aux dernières nouvelles. Donc il manque 40 points sub. Par une fois, hein. Pensez-y. Puisque si on n'atteint jamais 500, il y aura de moins en moins de live nécessaire. De fait. Si vous voulez plus de subs, il faut plus de subs, plus de live, il faut subber aussi. N'oubliez pas ça. Après, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, je comprends bien. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et si vous en avez les capacités, c'est cool. Après, hop, pas du tout une obligation. Ouais, c'est pas un bon choix ce que je fais là. Ouais, hop là. Aucun contrôle des foules, nul à chier là ce que je fais. Mais j'arrive pas, en fait, ouais, là, je suis en mode pas de dégâts du tout et c'est très très compliqué quand même. Parce que 2,5 c'est vraiment pas longtemps. Les cassettes mystérieuses, ouais, ça arrivera. C'est lui qui nous menace, tout à fait. Eh bien j'espère que oui. Hop. Bon, je fais nimp là, c'est nimp. Et regardez la vitesse à laquelle je tire, putain de merde, c'est nul. Je peux même pas les tuer ceux-là sans blesser en fait. Ah, en vrai tue-moi, vas-y, c'est bon. Ça me saoule. Tout à fait Grégo. Mais je te menace pas toi du coup parce que tu fais ça. Non mais après c'est une réalité quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que je comprends que des gens soient habitués au fait que... En ce moment, il y a beaucoup de live, donc c'est pour ça, ça donne l'impression que j'en fais tout le temps beaucoup, alors que pas du tout, en fait. J'en fais beaucoup parce que j'ai le temps, déjà, et parce que, hop, je vois l'évolution de la chaîne. S'il n'y a pas d'évolution de la chaîne, forcément, il y en aura moins. Après, ça veut pas dire que j'arrêterai les lives du tout. Comme j'ai dit, je réorienterai sur uniquement des lives GDR, et juste en faire un ou deux par semaine, si jamais. Les pilules, non identifiées, on prend. Eh bien, c'était un très... Non, c'est mort. Je commence pas avec Health Down dès le début, c'est mort. Alors, ça augmente le... ça augmente la portée, je crois. Et ça met une zone... cool. Ah, mais on recule moi aussi. Hein.
Ah, Grigoro, ça c'est l'année prochaine. Tac. Ça sort en août, le 29 août, je crois. Non, ils ont juste dit août en fait. Trop hâte. Ça va être un bel ouvrage. J'ai vraiment hâte de le recevoir aussi. Tac. Hop. C'est vrai que, mieux que ton rang de partenaire spécial, ça serait bien cool pour toi en général. Bah. En gros, le truc c'est qu'à partir du moment où je unlock, c'est simple. Je. Quand... Hop. Ah, ça c'est cool. Je peux faire beaucoup plus de live et du coup ça vaut beaucoup plus le coup, même s'il n'y a pas énormément de. Ah putain, c'est dommage de faire ça. Même s'il n'y a pas énormément de subs, ça vaudra toujours le coup en fait. C'est ça qui est cool. Après, c'est tout. S'il y a pas... Si on n'atteint pas ce palier, on n'atteint pas ce palier. Je sais pas. Vous mettez pas un flingue sur la tempe, hein. Je vous en parle, c'est tout. Parce que bah, c'est important aussi d'en parler. Hop, et que vous sachiez les trucs. The World. Putain, ils me disent ce que c'était avant. C'est cool. J'ai qu'une bombe, mais on va peut-être... on va faire The World. Comme ça, il faut qu'on... On sait qu'il faut descendre. Donc ça va. Merci, le Dark Angel. Hop. Tuons les méchants. Il faudrait que j'utilise les rennes. Ça se remet une banane. Non, vous êtes pas méchants, c'est eux les méchants. Les gens qui me crachent des larmes dessus. Je ne sais plus ce que ça fait. Ça fait juste une boîte de pills. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Et j'ai pas la salle super secrète. Hein. Alors, à droite, on a un mini-boss. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai le droit au nouveau... Ouais, j'ai le nouveau mini-boss. What? Donc, j'ai Ultra Pride. Donc, comme je disais, c'est un des seuls où on peut vraiment perdre contre lui. Les pills, ok. Pas très pratique là tout de suite, mais pourquoi pas. C'est mieux de le savoir maintenant. En tout cas. On va utiliser mon. 18 pièces. Ça vaut le coup d'aller au magasin. C'était pas mal Pokémon. En vrai, on va prendre Pokémon. Et on va mettre... D'ailleurs, en parlant de Pokémon, n'oubliez pas que vendredi, c'est le début des aventures de Bidule. Et en plus, ça sera avec Eric. Je sais que vous aimez bien les lives avec Eric. Vous aimez son crâne... J'allais dire joufflu, mais son crâne n'est pas vraiment... Enfin, c'est pas possible d'avoir un crâne joufflu, je crois. C'était un mini-boss. Et non, Ultra Prime n'est pas très dur à battre. Mais il peut vite, vite être très chiant, quand même. Hein. Mais il est beaucoup plus chiant que Pride. Pride, c'est un ennemi gratos, quoi. Mais Maxime, bouge de ta direction, réfléchis. Alors, Oriki, le truc, c'est que là, de toute façon, il n'y aura pas de corbeau. Donc, pas d'inquiétude. Pas de corbeau, parce que c'est la première partie. Je suis grand corbeau dans la première partie. Et dans la, à partir de la deuxième, tu pourras. Merci beaucoup, Adantar. Adantar, tu as le choix entre... un grand corbeau d'un mètre 50, mais qui devient ton Pokémon. Ou bien des pilules, mais tu ne connais pas leurs effets. Voilà. Avant de les utiliser. Et elles font 1m50. Et du coup, j'ai une mouche. Ça ne sert à rien. Hop, merci. Hop là. Ah, Eric va mourir, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir. Enfin, Eric sait déjà hein, que c'est Pokémon. Je suis désolé ceux qui pensaient qu'il y aurait une surprise, mais il suit les réseaux sociaux, donc à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué de lui cacher quoi que ce soit par rapport à aux aventures de Bidule. Je vais pas genre faire ignorer à 10 000 personnes que il y a Pokémon. Oh là. Bon, je suis un peu déçu d'un curse. Ouais, bon. On a deux boss donc. Ah, j'ai Tempérance.
J'aurais dû passer tempérance, c'était dommage. Mauvais choix, mais bon, ça arrive. Donc oui, j'ai des Pokémon de temps en temps dans ma run. Pourquoi ça l'empoisonne pas? Les boss sont pas sensibles à l'empoisonnement? Si. Pas longtemps en tout cas. Peut-être une chance de... Ouais, il y a déjà une chance de spawn le poison. Je pensais que c'était 100% de poison. Apparemment non. Les live binding, on voit que je suis concerné parce que je me ravance sur ma chaise. Il est dead. Qu'est-ce qu'on a? Allez, un truc cool. Un pyjama. Allez, d'accord. C'est pas terrible comme ça. Mais bon. Wow, les Larry Junior. Ils sont... Alors, vous voyez que c'est la version... On n'a pas les meilleures versions, quoi. Mais on n'a pas encore les versions... Je crois que c'est que quand on a fait la cathédrale qu'on a la version complexe des boss. Parce que là, c'est des versions alternatives simples. D'accord, un cœur en plus, c'est toujours bien. Et j'ai un trinket rigolol qui me fait des random worms effects, donc je vous montre. Hein. Et ça change à chaque fois. Ça peut être une tuerie, ça peut être horrible. Voilà. Moi, je vais prendre le Stinky Eye, c'est, je pense, un meilleur choix. Prends le amnésique en le tabassant, c'est une bonne idée. Tu nous donnes bon live. Eh. La semaine dernière, je suis d'accord avec vous, c'est un peu de la merde. On va être honnête, on n'est pas tombé sur les meilleurs jeux du monde. Voilà, mais cette semaine, sincèrement, avec Arx Fatalis, on va être ultra servi, quoi. Franchement. Arx, ça va être la vie. Vas-y, mon kiki, je pense. Ah non, 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 c'est pas cool. Bon, allez, hop. Mais oui, Maxime, perdre des cœurs à ce moment-là, c'est très pratique. Il y a des musiques que je n'ai jamais entendues parce qu'elles doivent être ajoutées à Afterbirth. Tout à fait, Noriko Radaki. Ah bah en même temps, on t'avait prévenu. Hein. On est sympa, mais voilà, il y a des limites. Plutôt que de prendre le train, tu serais allé à pied, t'aurais largement pu payer un sub. Putain, la mauvaise foi quant au sub, c'est quand même un des trucs qui m'éclate le plus. Elle est pas dégueu la musique en vrai. Bon bah c'est bien, on a récupéré des bombes, c'était pas de la merde. J'ai perdu des cœurs mais rien de terrible. Mais oui Maxime. Putain, Jack, je suis tellement deck que pendant la partie vous n'avez pas eu de pluie. C'est quand même 60% de chance et vous avez échoué. Enfin, vous avez réussi du coup. Échouer un truc positif, négatif, c'est. Ah, on a une petite chauve-souris. Elle est adorable. Vous avez déjà vu les vidéos de Fruit Bat? Vous savez, c'est les chauves-souris. Comment ça s'appelle géante ou les... Je sais pas comment ça s'appelle en français, ça doit avoir un nom. Fruit Bat, ça doit être les roussettes. Je sais pas. Putain, sérieusement, je vais avoir toutes les cartes de merde ou... Elle s'est suicidée pour moi quand même, c'est beau. On a une petite cracheuse. Ça sonne tellement dégueulasse ce que j'ai dit. Une petite cracheuse. Bah Maxime, perdre autant de points sur de la merde, c'est pas une très bonne idée. Alors, il y a la petite mouche là qui va à donf, qui me stresse de la vie.
Je sens qu'elle va m'exploser dans la gueule. Et quand je fais pour la toucher en plus? Voilà. Duck Season c'était mal branlé. Non, Duck Season c'était de la merde, tout simplement. Typiquement le jeu à la... comment... C'est le genre de jeu fait pour les let's play, pas pour les live en fait. C'est genre, ah le mec il a joué 4 heures, il te montre 20 minutes de la fin, 2 minutes du début, et en fait toi t'as l'impression que le jeu était bien, mais en vrai non. J'aime pas trop cette salle, je vais être franc. Les salles à base de monstres qui me courent après ou de monstres qui me foncent dessus, c'est pas mes salles préférées. Putain, on a fait une double, on a fait une salle XXL au début et c'est de la merde comme ça notre partie. On trouve plein de cœurs en tout cas. Bon, bombe infinie. Bonne chose. C'est pas infini, mais vous comprenez. Des petits caca. Avec du. De la chiasse dedans. Du maïs, je sais pas. On a télépiles, ça ne sert à rien. On peut apporter ça maintenant, hein. On a autant de bombes qu'on veut. Vous pensez qu'il a enregistré un vrai bébé qui pleure? Qu'il allait le tabasser pour voir comment ça faisait? Moi, c'est ce que j'aurais fait. Tout pour là. Wow! Salut F5. Alors j'ai pas regardé l'écran. C'est vrai que je pourrais avoir un bébé congelé à Picard directement. On peut en acheter. Ah et ce bruit là, vous pensez qu'il a vraiment écrasé un fœtus pour l'avoir? Je pense que oui. Attendez, c'est quoi cette merde? J'ai déjà eu la boutique? C'est peut-être au tout début. Il était extrêmement chiant à tuer ce monsieur. En vrai, je suis pas ouf là, hein, niveau stat. Hein. Beaucoup d'extra, mais pas beaucoup de dégâts. Ouais, c'est pour là. Hein. Non, de la merde. Oh putain, l'horreur. Bon, ça va. Il y a eu au moins un truc positif, c'est que j'ai plein de thunes. De toute façon, on a des bombes à l'infini, autant les utiliser. Ah, des méchantes bêtes. Non, c'est pas là. Attendez, là, il y avait rien. Non. Bien ouais, je carré. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que c'est vachement bien ça en vrai. Ouais, ça remplace les pick-up par des sacs. C'est cool en vrai. Ça, c'est puberty. Donc si j'en mange 3, j'aurai la transformation en adulte. 60.
Jamais fait. Et ça, c'est une carte, on ne sait pas ce que c'est. Vas-y, on donne. On est gentil, on donne. Encore une fois, c'est pas que je suis gentil, mais c'est que dans mes prochaines parties, ça peut me sauver la vie. Et cette partie-là n'est pas bien partie. Bon, bah c'est parti pour le boss. J'ai... Alors, il me faut une puberté. Ouais. On verra. Est-ce qu'il y aurait pas une salle super secrète ici? Je sais même pas où c'est les salles super secrètes de toute façon. Gordy, allez, tiens, mange ça. Mange ça. Mange ça. Ah bah oui, bravo, Maxime. Non, bah non. Ça fait que dalle de dégâts, non? Ah putain, je me suis fait niquer comme un con, j'ai pas fait gaffe. Ah, attends. C'est pas grave, je n'aime pas cette run, je vous le dis. En ce moment, j'ai l'impression d'y avoir que des runs très moyennes, en fait. Genre là, je suis désolé, mais je suis quand même au troisième niveau, c'est ça? Au troisième niveau, c'est pas ouf, franchement. Ouais, franchement, c'est que des objets de merde, quoi. Là, ça m'accélère, simplement. Là, je suis désolé, je fais de la merde. Elles sont à côté que d'une salle. Genre, là. Ou genre... Là. Oui, merci beaucoup. Oh, mais merci carrément, ouais. On peut pas... Oh merde. On peut pas lui faire de dégâts de toute façon à lui. Non. Pas pour le moment. Mais c'est ça, Kessio. On veut du vrai, de la vraie run, quoi. Merci beaucoup, Kazur. Putain. Je viens de m'apprendre quelque chose, et ça, c'est Kali. Caf 2. Putain, ça... On veut technologie 1 et 2, quoi. Je suis désolé, je suis pas motivé par cette run. J'ai l'impression de... J'ai l'impression de faire semblant de jouer, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, oui, bon, d'accord, c'est rigolo ton jeu. Mais c'est pas très hypant, quoi, pour l'instant. J'ai que des extras, j'ai rien niveau stat. C'est pas le plus motivant, quoi. Ah, attendez, en bas, il y a peut-être une salle... ça serait trop bien, une salle 6. Une salle D6, ça serait... Peu importe la salle, j'irai dessus. Je suis comme ça, bah, super, j'ai un truc qui est... Oh, une pretty fly, bah, ça, c'est joli, ça. Allez. J'avais pas vu, je croyais qu'il y avait une échelle. Oh non, mais là c'est mort hein, les gens. Non mais ça y est, c'est fini là. Non mais un étage en moins, vous voulez pas que je me suicide sinon? Ah non mais là, je suis mal barré là, les gens. Ah, le con. One makes you small, and the one mother give you that doesn't have anything at all. Tellement dégueu, hein. Ah, c'est fou, quoi.
Et j'ai 3,5 de dégâts. J'ai rien de spécial au dehors de... Quand d'objets de peut-être et de trucs en plus, c'est nul. Putain, je suis énorme. Mais non, Maxime, t'as perdu du poids. Allez. Mais Maxime, Black Bean, en vrai, c'est une des meilleures trucs. Maxime, t'as dit que t'étais un PGM, lol. Je suis un PGM quand le jeu, il veut bien que j'en sois un. Ah, putain. Prends tout, hein, je vous ai dit. Hein. Ah, ah merde, ça par contre c'était con. Je vais connaître toutes les pilules. Hein. Bonne nuit, licorne enragée. Bon dodo. Putain, quel run de merde. Ah putain, j'avais pas vu que j'étais en Harry the Wizard. Ah. Là, c'est le pire moment pour avoir ça en plus. Ah, je déteste le bruit de quand les araignées sortent. Bon, je suis revenu normal. Mais en plus, je suis énorme et j'ai même pas de dégâts en plus. Ça sert juste à rien. Tu es juste gros. Allez, tuez-moi là. Je vais jouer normalement, mais franchement, je pense que si j'ai une occasion de mourir, je le ferai. Genre là. Genre comment être hypé par cette run, quoi. Elle pue juste la merde. Et je suis tellement énorme que c'est impossible de les éviter en plus ces trucs là. Ah putain. La taille augmente le drop. Nakazort, je ne savais pas. Allez, suicide-moi. Suicide-moi putain. Je vais juste crever. Merde, j'avais même pas vu qu'il y avait une bombe. J'aurais pu vraiment mourir. Worst enemy ever, hein. Qui vous vole de la thune. Allez, quand même, je me bats, hein, parce que là, j'ai un demi-cœur, je pourrais très bien... Ça. Sérieusement, c'est drôle, parce que là, je tombe sur des cartes plutôt cool. Et... Je vais mourir, hein, je vous rassure. Mais peut-être pas tout de suite. Oh là là. Oh, si je meurs pas... Alors... C'était vraiment de la merde, va dans la curse room. Bon allez. Putain, ça donne n'importe quoi. J'ai déjà terminé le jeu à 100%, je crois. Il n'y a pas besoin d'être skill. J'ai jamais eu. Ouais, mais ça me fait chier en vrai. Il me hype pas du tout en vrai, non. Oh, comme c'est dommage, t'es mort, tout à fait. Ouais, non, je l'ai pris juste parce que je l'avais jamais eu. Voyons voir. C'est quoi, ça? Ouais, j'ai pas envie de ça. Écolier. Ah, c'est quoi, ça? Ça, c'est bien, ça, non? Ça ralentit les tirs, par contre. Hein. Ah non, pas le double shot. C'est le quadruple shot. Bon, ça, c'est un très bon objet. Salut Clem. Tu sais, ça arrive des fois. Des fois, on a envie de se suicider. On a envie de se dus. Comment on dit? Je viens d'inventer ce terme, se dus. C'est comme se suicider, mais plus rapide à dire. Bon, c'est un très bon objet de départ. On va être clair.
Mais si tu as les trois clodo, tu peux avoir le super clodo. D'accord. Non ! J'ai eu chaud à l'anus. Je vous avais senti ou pas ? Parce que vous avez de l'odorat, vous pouvez sentir quand j'ai chaud à l'anus. Ce live est en odorama. Parce que moi j'ai pas d'odorat, donc je me suis dit je vais mettre mes lives en odorama. Ça sert à quelqu'un. Putain, elle est cool cette salle. Putain, je me rappelle la première fois où on voyait les gros bébés comme ça, ça faisait trop peur. Je disais, mais ils doivent être trop balèzes et tout. Et en vrai, c'est de la grosse merde. Personne ne les prend au sérieux. Un peu comme les gros bébés en vrai. Genre, quand vous voyez un gros bébé dans la rue qui marche, vous en foutez. Le Nautilus Rift, tout à fait. Bon, allez, là, on se fait la cathédrale. La chiole. Putain, mais Maxime, on dit on se fait chiole et tu te prends un truc. Ba 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 ba. Hop. Il y a pas grand chose. Non. Et oui, il n'y a pas à attaquer. Vous sentez que je suis du cul. Famine. Donc, ça me garantit un Super Meat Boy ou un Bandage Girl, je crois. C'est War qui peut être... Quoique non, je crois qu'il y a une chance de drop de... Je sais plus. Je crois qu'il y a une chance de drop de... du cheval. Peut-être que non, peut-être que c'est que War. Bah oui, bravo. Un demi, c'est tout ce que je t'autorise. Wow. Il y a vol. Ball of Bandage, bon, bah, c'est pas fou, mais c'est pas nul. Ah oui, mais non. Ouais, mais non, ça vaut pas le coup. Une clé, c'est bien, mais une bombe aussi. Je préfère la variété. Ah, Noriko Radaki, arrête, elle est trop bien cette run. Putain, c'est un salaud, Noriko Radaki. Je le savais, les gens me l'avaient prévenu, mais quand même. Déjà qu'il a arrêté d'être sub pour aucune raison valide. D'ailleurs, Clem, c'est pas bientôt ton resub ? Dans ma tête, c'était t'étais au début. Mais peut-être que non. Ah mais non, mais si, on n'est pas encore au début, c'est pour ça. Oh, putain, cette semaine, c'est la semaine des resubs du nouveau mois. Ça va être cool. On va entendre le nouveau, du coup, le... Je sais même plus c'est quoi. Tu diras, cet enculé, je sais plus quoi. Je sais plus, c'est des insultes contre le patron de Debnet. Ah, j'ai Curse of the Blind. Ah non. Ça va. Ça peut être la merde. Bah du coup, on va pas à la boutique. On laisse tomber la boutique. Parce que bah du coup, ça peut être la merde. Putain, c'est nul. Je suis sur une bonne run, je veux pas Curse of the Blind. Alors, c'est au deuxième niveau, donc ça va, mais ça peut vite me niquer la gueule quand même. Et là, je sens que je vais tomber sur. Oh là là, Cursed Eye ou une connerie comme ça. Et je vais me suicider. En live. Encore une fois. Ah, ça me saoule parce que j'ai de la thune. J'aimerais bien la claquer, mais je peux pas. It's not possible, my boy. You cannot do that. Ah fuck, j'avais oublié qu'ils explosaient ces cons là. Two of Hearts, bon, ouais, pourquoi pas. Pour se soigner. Mais seulement se soigner deux fois ce qu'on a en point de cœur. C'est-à-dire que si j'ai qu'un seul, je passe à deux. C'est bien, mais c'est pas ouf. Ou
Bon, soit dit en passant, on a tombé sur un bon drop avec le coup de la crotte fossilisée là. Ça me fait, ça me garantit quand même pas mal d'objets. Je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Moi, j'y crois. Moi, je pense que c'est un health up. Clem, est-ce que tu peux me dire si tu es dispo jeudi 19 de 20h à minuit 1h? Alors on a dit qu'on faisait pas ça, par contre ouais, la salle de l'arcade on l'a fait. Ah merde, j'ai plus de bombes! Oh le con! Ouais, c'est pas grave, il y aura peut-être des cadeaux. Ah, nique ta mère, c'est vraiment une salle de merde en plus. Lui, c'est un petit enculé, il va me baiser le cul, c'est sûr. T'as intérêt à me donner un objet cool, mec. Je te jure, je te crève la gueule, sinon. Ça va, ça va. Ça va. Salut, Petri. Salut, Ish. En cette belle soirée, matin, nique ta mère, c'est pareil, évidemment. Ça va me faire chier. Par contre, là, vous savez ce que j'aimerais bien? Eh ben, c'est un monster. Et j'en ai pas, et je suis vraiment dingue parce que... Je dirais bien oui à un monster. Oh, dingle! Dingle, 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 dingle. Ah, mais arrête de me faire du mal à mon cul! C'est comme ça que je parle quand je vois Clément. Oui, c'est un one shot, oui. Ouf, ça c'est une bonne chose. Un tic, non, surtout pas le tic. On veut pas le tic. Ah ah ah, cette salle du démon. Envoie-moi un message. Clem. Ah, le tic c'est quand même intéressant, mais la crotte c'est mieux, non? En gros, le tic... pourquoi je sais pas la description d'ailleurs? Platinum Gold, le tic, il reste, donc je ne pourrais pas le retirer. Et c'est 15% de santé en moins pour le boss, et ça me restaure 1 de vie. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Non, Cassure, c'est quand même suicidaire, t'es fou, toi. J'en sais rien, ça peut être un truc qui me défonce la gueule. Non, je tente pas. Ah merde, du coup, par contre, j'aurais pas dû rentrer et ressortir, ça a été con. Par contre, ça m'amène à 55% de God Room, c'est pas mal. Non, j'hésite par contre pour ça. En même temps, non, je veux des trucs en plus et je suis encore au premier, donc ça. Non, ça vaut pas le coup. Le tic, on le prendra si on nous le reçoit. Curse of the Blind, encore ? Ah non, c'est à cause des lunettes ! C'est ça ? Genre, si je fais ça... Non, ça va. Et du coup, Clément, faudrait que je t'explique comment ça marche. Le jeu de rôle. Donc, faudrait que tu sois dispo. Oh là là, un de ces soirs. Ou matin. Pour qu'on discute par téléphone. Kiki babies. Bon, c'est une bonne run quand même, on va pas se mentir. 5 de vie, double dégâts, on est bien. Deux copains en plus. Non, franchement, on est bien. Je t'ai envoyé un message à l'instant. Je ne te crois pas, vous êtes un menteur, monsieur. Vous êtes malhonnête. Hop. Ça pue la merde. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que la Curse of the Blind, c'est à cause des lunettes? Bon, pour l'instant, j'ai du bol, hein. Je peux pas dire. Mais...
Alors par contre, le fait que être plus gros ça augmente les drops, pour l'instant ce n'est pas prouvé, hein. La science dit non. Par contre, c'est la salle la plus longue du monde, non? Est-ce qu'il y a un moment dans la vie où ça vaut le coup d'aller dans ces salles de merde? Parce qu'à chaque fois, c'est de la merde, non? Il y a plus de caca ou c'est fini les caca? J'aurais dû prendre le tic du coup. Pourquoi Méga Satan? Ça te donne des trucs pour accéder à Méga Satan? Je sais pas, hein, je demande. J'en ai pas eu besoin pour faire Méga Satan, mais... Ah bah oui, mais je suis con, j'ai Curse of the Blind, ça ne sert à rien. Bon bah tant pis. Oui, t'as plusieurs niveaux de sacrifice. Et faut rester dans la salle, je suppose, sinon c'est remis à zéro. Je ne savais pas pour le coup des anges. Intéressant. Pile ou face? Allez, allez, soyez pas connard. Allez, allez. Oui, d'autres lunettes! On va devenir albinoclar! J'invente, hein, ça n'existe pas dans le jeu. Putain, Maxi, je savais pas que ça existait, albinoclar. On est rentré dans la Curse Room. Qui est merdique. Ouah, les mains de party. Lorsque les gens sauront que je suis un PGM du jeu, Jax, je perdrai tout mon argent. Mon argent in-game, heureusement. J'ai fait un deal with the devil, j'ai le droit d'être bon que si je joue mal. C'était un très mauvais deal. Mince, Marie Kouradake a compris. Bon, pour l'instant, c'est une très bonne run. Hein. Je suis heureux, je suis content. On a même une salle super secrète qui nous offre la meilleure pilule qui est Power Piece et la deuxième meilleure pilule qui est Tears Up. En vrai, c'était deux très bonnes pilules. Franchement, on est plutôt pas mal. Allez, je me sens d'humeur généreuse. Est-ce que je le prends ou pas? Est-ce que je le prends? On sait pas, ça va peut-être détruire ma run. En vrai, non, dans les boutiques, c'est plutôt positif. Et si c'est un actif, c'est pas plus mal. Allez, le chat, on parle, on dit des trucs, on dit oui. Allez, on la prend. Ça se tente, hein. Allez, on s'en fout, là. Un autre commentaire qui dit que je le prends, je le prends. The Battery! Putain! Alors, c'est très cool, mais là, tout de suite, ça sert à rien. Megaman! Ouh! Megaman! Ouh! Megaman! Dans la pire salle du monde, je veux dire, ça. Hein. Bah oui. Bravo, Maxime, t'as très bien suivi le... À ce moment-là, c'est chaud, quand même. Ah, j'ai la photo... J'ai la tente photo, tiens. Bon, bah c'est pas mal, on est bien, on devient une mitrailleuse à plutonium. On est bien, on continue. Alors, Kazurt, j'aurais adoré que ça soit un actif, mais pas du tout. Non, faudrait bien un actif là, mais un bon actif, vous voyez, genre Clément quand on le prend. Quoi? Allô? Clément, il est actif. A plus, Clem. On a un lemon party au cas où, mais non. Ah, j'ai pas de bombe par contre. Tuons du jambon.
J'ai réussi à le rater quand même. Je suis une mitrailleuse, mais pas très précise, quoi. Bon, par contre, ça serait bien que je devienne une mitrailleuse lourde parce que j'ai toujours 3,5. Cette salle était essentielle. Maxime ! Putain, sérieusement quoi. J'ai pas regardé, je suis désolé. Y'a pas d'actif dans la salle de boss ? Je t'avoue que le problème c'est que ce genre de truc là c'est carrément possible, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'en sais rien. Ouais, du coup. J'ai plein de trucs pour avoir des... un actif, mais je n'ai pas d'actif. J'aimerais bien avoir un actif. Il évitait mes tirs, j'avais pas vu. Regardez, hop. Bah, on le voit pas parce que je l'ai tué. Ah, Power Pills, ça c'est cool quand même. Contre le boss, ça peut vite, vite faire l'affaire quand même. Youpi! Première salle cachée que je vois de ce monde. Fou. Oui! Ça c'est bien ça. Un autre objet, ça serait bien. Comme ça, on a de grandes chances d'avoir un actif. Non, c'est ouf. Le jeu me troll, hein, là. Le jeu en mode, t'inquiète, tu vas avoir un actif. J'espère. Allez, un actif, là. A wolf owls, if you enter a room next to secret room. Ah, d'accord. J'ai jamais eu Dogtooth. Mais bon, c'est bien, ça augmente mes dégâts, donc on devient peu à peu une mitrailleuse lourde. Notre rêve ultime, je le rappelle, hein, être une véritable mitrailleuse lourde. Du coup, je ne suis plus aveugle. Ah. Bon, on va prendre le 50%, hein. Mais il nous faut plus d'argent. Bourrer les dons. Tac. Un peu de sang, la salle du démon avec Krampus. Ouais, 18%, mec. 18%, c'est 0%, hein. Plus de chances d'avoir une salle de l'ange. En vrai, je prendrais bien ça. Allez hop. C'est drôle, on entend le cri du loup. Je sais pas si vous avez entendu. Quand il y a une salle secrète. Gurdy! Je pense que c'est le boss que j'ai eu le plus depuis le début, non? Je sais pas. Mais là, c'est très simple. J'ai pas de pièces. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va acheter quand même un Soul Heart ou est-ce qu'on achète rien? On achète rien et on garde. Ouais, ok, d'accord. Pourquoi j'ai qu'une seule... Ah ben non, j'ai tout vrai. Pourquoi t'as pas la barre de vie du boss? Parce que je n'ai... Il y avait la barre de vie du boss, tu dis n'importe quoi, Kartip. Ah non, attendez! Vous n'avez pas tout mon écran? Putain, c'est pour ça que je me disais que c'était bizarre, attendez. C'est bizarre, sur le live j'ai l'impression de voir le jeu bizarre, mais oui voilà. C'est bon. Non, pas deux, pas deux, pas deux, non.
Merci Alors beaucoup, c'est Parker. bon, tu peux acheter les soldes? Je peux acheter les soldes. I'm excited. I'm excited. Non, je ne peux pas acheter les soldes du coup. Wow! J'ai vu au dernier moment que c'est ça. En vrai, franchement, l'interface qui met les objets là à côté, c'est vraiment de la merde quand on veut jouer. C'est très désagréable. Hein. Parce que là, je l'ai pas vu. Je l'ai vu au dernier moment, ça aurait pu me tuer, vous vous rendez compte? Si j'étais mort, tout le monde aurait été triste sur le live. Pendant au moins un quart d'heure. J'ai pas vu s'il y avait une malédiction. Waouh! Je m'attendais pas à ce que ça soit eux. Je les ai juste vus courir et je me suis dit, bon, ils ont l'air sympas. Et en fait, non, ils étaient pas sympas. C'était des monstres. C'était des monstres. Donc, challenge up, ça augmente le défi, mais ça rapporte plus. Normalement, hein. Ça a pas été prouvé par la science. En vrai, je sais plus. Electric Tears, oui, je dis oui, regardez-moi ça. Là, on est sur une bonne run. Là, on est sur une... Oh, The Duke of Flies. Là, on est sur de la run qui commence à craquer du cul. On va être franc. Là, on est bien, là, non? Je vois des masses, Charlie. Je vois des masses. Très bien. Un petit monstro, deux petits monstro. Ah oui, là, il déconne pas. Mais oui, je suis encore hardcore, c'est bon. Normal, mais vous voyez, on peut gérer. On pourrait presque avoir le boss rush si je prenais pas mon temps. Je vois des monstres. Il n'y a pas d'explosion, non. C'est une très grande salle pour rien. Franchement, honnêtement, c'est... Ah d'accord, c'est une XXL. Mais c'est encore plus cool. Ça ralentit ma vitesse, mais je peux empoisonner. Ouais, en vrai, ma vitesse est suffisante, donc c'est pas très grave. Oh, les gens, je deviens tellement craqué le cul, ça me fait plaisir. Il me faudrait un peu plus de vie, genre deux cœurs entiers, ça serait bien, ou des soul art. C'est le roi! Oui! Un objet actif là! Non, 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 non! Oh putain, le con! Pas regarder au bon endroit. On craque une bombe pour une bombe? C'est une blague, bien évidemment, hein, ne jamais faire ça. Ouais. On dit oui. Je me rappelle que j'ai les clés illimitées. Putain. Ah si, c'est bon. Non. Non. Je l'ai pas vu. Arrête le larve. Putain, je vais tellement crever, c'est illisible l'écran. En vrai, je vais prendre ça. Ça sera trop bien quand j'aurai une double charge. Je n'aurai jamais de double charge parce que je serai mort. J'en suis où déjà? Je suis à quel niveau, s'il vous plaît? Allez, on va apprendre pour la perdre, c'est pas grave. Appuie sur tab. Et c'est trop loin, tab, ça marche pas, j'ai une manette. Select normalement. Fais chier la teub, quoi.
Non, mais j'étais vraiment trop bien parti, je suis trop deg. En vrai, ça fait chier, quoi. Tellement dangereux. Putain, c'est tellement la merde par contre. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Bon par contre, je suis quand même blindé. Hein. C'est le seul truc négatif de mon build, mais en vrai le reste c'est goldé. On est plutôt bien. Ce qu'il me faudrait c'est un truc pour résister aux explosions. Mais après on va pas demander la lune, comme dirait... pas quelqu'un qui demande la lune. Me demandez pas des références à chaque fois. Je précise que je cherche une des salles secrètes, je ne sais pas où elle se trouve. Mais je la cherche. À moins que je l'ai déjà trouvé. C'est bien possible. Merde, j'ai demandé à la lune, c'est Indochine, c'est vrai ça? Comme quoi, on apprend tous les jours. C'est bon, j'ai trouvé la deuxième. Hey, Maxime, qu'est-ce que tu fous? J'ai tiré vers le bas, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai adopté une super stratégie pour éviter les explosions avec mon bidule. Hein. Putain, il est énorme. Moi, je dis, ça se tombe bien, la reine, là. Non. C'était un non, plutôt honnête, plutôt franc. Power Pills, c'est cool. Ça, on sait pas ce que c'est. Et ça, c'est Mécu Argent. On peut être gigantesque, si vous voulez. Ça ne servira à rien, et ça va certainement me tuer. Crève ta race. Bah Maxime, t'es fou quoi. J'ai failli foncer dans son rayon. Un peu plus de dégâts, moi je dis pas non. Honnêtement, on peut faire avec plus de dégâts. Je ne dis pas non non plus. Bon par contre c'est clair que le cœur d'or j'ai perdu. Hein. Contre la môme. Putain, vous savez ce qui serait bien, ça serait la môme rouge. Non! La main rouge, elle invoque quasiment aucun ennemi. Elle est juste beaucoup plus vénère. Putain, j'ai pas eu de... Little baby! Woo! On a eu plus de dommages et on a plus de cœur et on a un truc secret. Pour l'instant, on est bien. On est cool, on a même une soul. Ultra PGM. Toi qui voulais des dégâts. Non, j'ai eu dégâts et santé, c'est tout ce que je voulais. Bon. On a eu Curse of the Lost quand même qui pue la merde. Of the Maze, pardon. Ah, les dégâts c'est bien là, on est bien là. Bon, plus de soul et ça serait bien. Plus de soul, de la défense. Par défense, j'entends, vous savez, des petits trucs qui tournent autour de moi quoi. Ça pourrait me sauver la vie. Basiquement. On va éviter les grandes pièces. Enfin, en vrai, non, parce que mon pouvoir est très bien contre les grandes pièces, mais... Oh là là, oh là là, oh là là. Bah...
On s'en branle. What? Ah putain, je suis perdu ça. Hop, merci. Attendez, quoi? Putain, je suis tellement paumé là. Il y a une pièce secrète. Attends, j'avais oublié que j'avais des pièces secrètes en fait. Ça crève tellement de tous les côtés que je sais même plus où je suis. C'était un très mauvais choix de... Oh oui! C'est exactement ce que je voulais. Eh, sérieusement quoi, qu'est-ce qui se passe? Jeux vidéo, pourquoi deviens-tu gentil? Tu es en train de me dire que quelqu'un ne va pas... Oh, ma copine est morte? Oui, mais en même temps, j'ai réussi ma run dans Binding, donc bon. Finalement, ça s'équilibre plutôt bien. Ah, oh, mais Grid, mais qu'est-ce que tu fous là? Va te faire enculer, ces pièces piégées, là. Un objet. Je déteste cette map. Je tiens à le dire. Je vais éternuer, mais... Ok. Je ne me rappelle plus ce qu'elle fait. Parce qu'il y a plusieurs télécommandes. C'est la verte. Freeze les ennemis dans la pièce jusqu'à ce que vous tiriez une fois de plus ou que 30 secondes passent. Ouais, ça c'est pratique, mais en même temps, ça sert à rien. En vrai, ça pue un peu la merde. Non! J'ai failli... Ouf, j'ai vraiment failli me le prendre. Ah, ça c'est dommage, ça. Non, 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 attention. Ça, faut pas leur tirer dessus tant qu'ils sortent pas la tête. Bon, on a de la santé, là. Hein. On a du soin, on a de la vie. On a de l'espoir. On est plutôt bien. Faut se concentrer sur ce qui est positif. Et ce qui est positif, c'est pas cette run. Non, c'est qu'on a toujours pas d'objet actif en vrai. Par contre, ça pue la merde. Je déteste Curse of the Lost. C'est horrible. Quand t'as un peu de sens de l'orientation dans ta vie, c'est vraiment le truc qui te nique la vie. Tu t'es là, tu te dis, oh, j'y vais à l'arrache et tout. Et puis en fait, tu te fais niquer la gueule. Oh merde, j'avais pas fait gaffe que c'était eux. Je n'aime pas ces ennemis. Terrain miné. Poisson ballon. Bah Maxime, qu'est-ce que tu fous? Je suis resté à l'endroit le plus dangereux du monde. Eh, si j'ai money égal power là. Bon, ça ira. Ça ira. J'aime quand même beaucoup les bruitages de ce jeu. On s'en branle. Allez. Non, franchement, on est bien là. Je dirais pas non contre plus de soul quand même. Hein. Maze, j'ai dit Lost, pardon. Plus grosse larme égale plus de... Pas de dégâts, mais de possibilité de toucher. Bon bah j'ai perdu les souls. C'est la merde. J'ai perdu mon âme, les mecs! J'ai perdu mon âme, GoGamer! Pièce secrète. Et... C'est tout. Bon allez vas-y, à boule. Daddy Longleg encore? Pourquoi deux fois Daddy Longleg? Non, c'est vrai, il y a plein de boss pour ce truc là et à chaque fois je donne une like de cette fois. Parce que je sais que c'est aléatoire mais quand même. Je pense qu'on va plutôt bien s'en sortir les gens. On va aller chercher des cœurs parce que après c'est pas dit qu'on en met. Ah j'ai pas fait cette pièce là.
Et ce fut là où Maxime mourut. Oh. Ça arrive tellement souvent en fait. J'ai eu la salle super secrète, ouais, bah oui. Pas besoin d'explorer spécialement, mais bon, ça fait toujours du bien. Alors. Pas de vie ici. Il n'y a pas de vie avant très loin en fait. Là, il y a de la vie. Oui. Je préfère niquer une clé que me taper une autre pièce. C'est les techniques de PGM, vous pouvez pas comprendre. J'ai plus d'un truc sur le visage. Putain, ça fait deux fois que je monte cette pièce. Est-ce qu'il y a un rocher spécial là? Je crois pas. Hein. Ah si, il y en a un. Boum! Une soul. A plus, Jack. Putain, pourtant, t'es tout près de la fin hein, de la run, là. Dans un sens ou dans l'autre. Alors, on a que de la merde, là. Je sais pas pourquoi je commence par la pièce la plus grande. Je sais pas pourquoi je vais foncer dessus non plus. Est-ce qu'il y a des... de trucs secrets? Parce qu'autant on les voit bien... Ah oui, il y en a là. Je pense qu'il y a des grandes chances que ça soit de la soul. Oui, double en plus. On ne dit pas non. Vous voyez, c'est le genre de pièce où si vous n'êtes pas équipé, c'est quand même vite la merde. Je trouve que le vagin de môme, ça reste... Enfin, le vagin, l'utérus, ça reste une des zones où ça reste dur, quoi, quand même. Peu importe les runs. Bon, là, non. Mais on est pas serein non plus, vous voyez. Alors là, c'est triste parce que je peux vraiment pas y aller. Ah oui, d'accord. J'aurais pu me faire niquer, ça a changé ma carte. On a plein de clés. Ça, c'était très con. On aurait pu totalement l'éviter. Maxime, réfléchis. Voilà. C'est le genre de pièce où on panique, où on perd des cœurs, alors que c'est facile. La dernière fois, je suis mort dans une pièce de merde comme ça, quand même. C'est quoi ça? Ça a l'air bien, non? Spawn one blue fly for every pickup in the room. Allez, on vous tue les mecs parce que vous étiez gentils. Lucky Toes. Bam. This is how we do. Ah merde. Je voulais pas l'activer, mais tant pis. The Lover. C'est deux cœurs, hein, je crois, donc ça sert pas à grand chose. Ah mais c'est un actif! C'est quoi? Mec qui a pas écouté et qui dit « Ah, ça va être trop bien !» Je croyais que ça spawnait automatiquement. Le compost, le compost. Double le nombre de blue fly et spire que vous avez. Et ça détruit tous les consommables sur le sol et les tourne en blue fly ou blue spiders. D'accord. Donc c'est vachement bien pour ce que j'ai. Ah oui. Non, on les tente pas. Hein.
C'est le genre de truc qui va me faire perdre un cœur, c'est vraiment fin de partie, ça sert à rien. Attends, Two of Art, non, c'est The Lover. Attendez. Ouais, non, c'est bon. Le jeu m'a mindfuck là. Donc là, par contre, si je fais ça. Voilà, ça. Ouais, ça peut vite être la merde, c'est bien. Non, j'aime bien. C'est un bon objet. Boum. Parce que là, j'ai quand même une putain de chier d'araignée. Ah, ça doit être horrible. Ça me fait rigoler, mais ça me fait peur. Allez, Mamsar. Ah, on peut descendre plus bas, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air intéressant. Bienvenue dans Sheol. Oh oui! Ouais. Adieu. Bon, Satan, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Wouah! J'avais pas vu celui-là. Donc le problème de Sheol, c'est principalement trouver où on va. Mais franchement, notre build est largement assez cool pour s'en sortir sans problème. Ah oui, ça c'est bien ça. J'aime bien celle-là. Ah non, c'est pas tous les... D'accord, c'en est qu'un. Sans, c'est pas terrible en fait. Enfin, c'est juste... Non, si, c'est sympa, mais c'est pas sympa. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait une double bombe, j'aurais dû la prendre. Dommage. On a une arène ici? Il y a des arènes dans Sheol? Je savais pas, mais vas-y, on va la faire. On s'osait, on s'amuse, c'est drôle, on s'osait. Mais oui, on s'osait. Ouh, double monstre. T'es mort. T'es mort. Pas de commentaires. Ça peut donner des saouls. Ah, par contre, ça donne rien là. À ce point là, c'est chaud quand même. Là, j'ai 0 en luck, c'est peut-être ça. Jawa, je m'en veux tellement. Putain, mais j'ai balancé 50 pièces là-dedans quoi. Y'a rien. J'ai pris quoi là? J'ai rien pris.
Non mais The Fool quoi. Non mais ils se foutent de ma gueule, y'a rien quoi. Non mais c'est ouf non? Je savais pas que c'était possible de dépenser autant dans un truc qui a rien à voir. C'est quoi ça? La couche sale là. C'est quoi en vrai? C'est un objet, c'est quoi? Fly enemies are friendly? Oui. Avec plaisir. Ah oui, mais non, on s'en fout, il n'y en a jamais. Oh si, on peut y en avoir, allez hop. Ah merde, il ça existe ces ennemis. C'est chaud. Bon bah, on a fait le tour. Oui, je sais que 0 c'est 0, mais je pensais pas que t'étais 0, genre t'as rien, quoi. On va aller dans l'autre pièce pour faire le ménage. Voilà. Un petit peu plus d'araignée. Un petit peu. On doit aller où là? On doit aller en bas? J'ai pas vu l'endroit où je devais aller en vrai. Ah oui, c'est. Ah si, d'accord, en bas à droite. La pauvre araignée, c'est qu'elle a genre. Oh shit! C'est. J'avais jamais vu ça non plus. Double spawn d'araignée et de machin. C'est cool que je me surprenne encore. Parce que y a vraiment beaucoup d'ajouts en fait. Hein. Encore une fois, j'avais été un peu déçu par Afterbirth Plus quand il était sorti. Mais là, ça va en fait. Ils ont rajouté plein de trucs quand même. Vous croyez que j'ai des araignées ou pas? J'arrive pas à voir. Quelqu'un peut me dire si j'ai une araignée ou... sur moi? Je reviendrai quand j'aurai chargé mon nouveau truc. Ah, j'avais jamais vu ça. Hop là. Ouais, si on court ça en fait. Hello. Le maître des araignées. Putain, ça serait trop bien qu'elle se mette à builder des trucs. Genre une armée d'araignées ultra puissantes qui fabrique des bidules pour moi. Bon allez, le boss là, hein? Toujours pas! C'est chaud? C'est parti! Satan! Merde, je me vois pas bien. Ah, il peut y en avoir deux. Encore des araignées. Un peu easy quand même. Ben oui, elles font des dégâts, Mister Josh.
Kingsblade, en vrai, il est très stable. Hein. C'est ta version Flash qui était horrible. Oui, on a accès à The Chest, je crois. Tout à fait, elle se suicide. Ah, Mom Knife. On a Judas. Et on a une partie du puzzle pour accéder à The Chest. Ah oui, non, faut le faire plein de fois, en fait. J'ai oublié. Allez, on se fait un grid. A plus, Kazur. On se fait un petit grid. On n'en a pas encore fait. Oui, si. C'est plus de dommages, plus de vitesse, c'est toujours positif. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est du dommage et beaucoup de vie pour terminer grid. Ça, c'est cool. Ouais. Bon, c'est pas folichon, mais il y a des coffres. Merde. Ça, c'est pas cool. Faut pas perdre des points de vie inutilement comme ça. Généralement, si on n'arrive pas à tuer tous les ennemis avant la fin du temps imparti, c'est qu'on est mal barré. Mais bon. C'est très variable aussi. Là, on va dire que j'ai augmenté mes dégâts, mais pas mes DPS. Putain, par contre, je fais vraiment de la merde. Je fais vraiment de la merde. Dans ma tête, j'ai l'autre build, en fait. Je joue trop dangereux. Ouais, je vais crever, là. Je fais nappe. C'est le gros problème d'enchaîner les parties, encore, et ce jeu, hein. Voilà. Allez. C'est pas si mal. Tirer plus vite, justement, comme je vous disais, c'est les DPS qui comptent, donc voilà. Ça pue un peu la merde, par contre. Et ça, c'est dangereux. Mais je suis con, quoi. Ouais, c'est pas terrible comme pièce, mais bon. Ouais, non, je vais recommencer. Je suis pas fan de la salle du dessus, en vrai. Par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est... non, c'est de la merde. C'est... Ah oui, non, c'est nul. Non, Norikura Dake, j'ai fini le jeu, en fait. Donc c'est bon. Plus rien à faire. Bon, ça c'est très bien, on peut pas rêver mieux. Limite, je peux le faire péter le truc du haut plutôt que prendre des objets dedans. Donc c'est pas plus mal. La méga bombe, je crois que ça sert un peu à rien parce que je crois pas que ça tue tout le monde. Je sais pas. Bon, on a 3 pièces et on a une clé direct. Donc la clé, hop. Ça, j'avoue que ça pue la merde. Non. Ah non, c'est pas le même. Donc non, ça va. Waouh, bah il commence sérieux par contre. D'accord. C'est la version hard ou comment ça se passe? Donc les petits nuages de prout, là, ça fait des dégâts, hein, je crois. Merde. Il a spawné sur moi! Pas de soucis. Quand on connaît le jeu, ça peut faire bizarre. Donc là, c'est un mode spécial, hein, je précise, une sorte de mode arène. En vrai, c'est un très bon pouvoir pour ce genre de salle, parce que comme je tire en continu dans la même salle, ça a tendance à accumuler les effets, je pense. À voir.
vous voulez, hein. Hop. Donc, là, on a 21. Donc, un pick-up de chaque type, ça, c'est pas mal. Mais c'est pas fou. Ça, c'est bien, mais je ne sais pas si ça marche sur... je ne sais pas si ça marche sur un niveau. On va le prendre, on va le laisser pour la fin. On va pas le prendre tout de suite. Oh, trop bien, spécial. C'est parce que j'ai terminé les enfers, peut-être. Je déteste ce boss, en passant. Mais c'est cool de voir un spécial. Ça faisait longtemps. C'est vraiment un des pires boss, je trouve. Il a énormément de vie. Et il est extrêmement chiant. Donc, voilà. Mais parfait, j'avais pas regardé où j'étais, mais ouais. Apparemment, j'étais sur lui, donc eux, c'est les plus chiants. Ok, eux, ils sont en deuxième place. Facile. Parfait. Parfait, Maxime. Très bonne stratégie. Ça, le boss, il le sent pas venir, hein, le coup du... Je me jette sur ses dégâts. Sur ce qu'il invoque, je veux dire. Pas ses dégâts. Non! Bon, on va prendre ça. Et normalement, ça va donner... Oh, merci. Ah, Dice Shard, tiens. On peut respawn des trucs. Enfin, changer des trucs. Speed up, pas mal. Amnésia, on s'en branle. Ça, c'est cool, par contre. En vrai, ça, c'est bien. Oh, merde, ça aussi c'est bien. Ça fait chier. Mais Dice Shard, c'est vraiment top pour la suite. J'oublie tout le temps qu'il y a des ennemis. Risk of Rain, ouais, excellent. Bah, je l'ai fait quand il est sorti, effectivement. Il est vraiment très cool. Je ne me rappelle pas ce que c'est. Je crois que c'est bien, en vrai. On va le prendre. Tant que c'est pas négatif, je pense qu'il faut le prendre. Par contre, j'ai plus de pièces. J'ai pas de bombes. J'ai plus de clés. Ouais, c'est pas terrible en vrai. Je suis plutôt dans la merde. Ah, j'ai une vie en plus après. Hein. Putain, mais ils sont forts, non? Ils sont pas censés résister à deux coups à... Ah, je suis pas à 5. Bon, peut-être. Parfait, Maxime. Continue comme ça, c'est très bien. Je vais crever, hein, c'est pas grave. Pour toi, c'était des bons objets, honnêtement. Waouh, j'ai jamais vu ça, c'est quoi ça? Merde. Ah d'accord, ça, j'ai jamais vu. D'accord, bon bah ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien. Ah, ça en a mis deux en plus. Ouais, bah les nuages ça fait des dégâts en vrai, Outsider. Mais j'avoue que ça sert pas à grand chose. C'est quoi ça? Ah, c'est juste Brother Bobby, merde, j'étais con. Mais y avait pas le nom? Si, y avait le nom, je crois. Ouais.
Bad grid, je pense que c'est possible, mais j'ai jamais réussi à avoir de la thune après grid. Genre, jamais. Genre, à tel point que je me demande si c'est possible. Ah si, parce qu'il y a toujours des PGM de ouf. Wow. Ah, c'est pas si mal. Non, j'avoue que les nuages, je sais pas ce qu'ils font. Ouais. J'ai que 11, merde. Je pensais que j'avais plus, bon, c'est pas grave. Putain, mais non, mais pas deux fois, quoi. Putain, mec, il était content de le voir juste avant, c'est après, il rage. Non, mais en vrai, c'est de la merde. Pourquoi deux fois lui, quoi. C'est un boss spécial. Non, bah non, c'est déjà vu dans la run normale. T'as tué par nuage, hein, quand même. Ah, ça, c'est cool. Ah, je savais pas qu'il y avait ça. On a 20. L-stop, c'est la vie. Mais ça aussi. Risquons tout pour rien. Non mais, sérieusement? On a les deux formes. Donc genre boss relou, il se place là quand même. Hein. Non, c'est ouf quand même, non? Parce que oui, le truc me suit à jamais. Hein. Mais c'est pas du tout des boss faits pour mon niveau, ça. Genre, c'est la première fois que je lance grid. Normalement, ils sont gentils, non? Genre, si je m'en sors, c'est quand même balèze. Hein. J'ai réappuyé sur le truc, non? Bah oui, forcément, un enculé. Putain, va te faire baiser, quoi. Vas-y, on s'en fout, on le prend. De toute façon, à ce point-là, je m'en fous. Ah, il donne plus de... Merde, je pensais qu'il donnait encore un truc. Donc maintenant, j'ai un petit couteau. Et je peux l'envoyer. Le couteau est vraiment excellent. Bah, j'avoue. Ça, ça pue la merde, par contre. Ça, c'est bien. Plus de dommages, plus de dommages. Allez, on le prend. C'est de la vie. Encore un autre ? Ah non. Ça c'est bien, comme ça ça me fait descendre tout en bas. Ah non, si c'est ça. Parfait. Je sais plus gérer ses ennemis, hein. Pas censé les toucher, hein. Et donc ça passe au travers des trucs, c'est ça qui est très cool avec le couteau. Mais quand vous touchez les ennemis, si vous les touchez pas, ça sert à rien. Non.
Ah le con. Putain, je m'en suis sorti. Grâce au cube of meat. Allez, on s'en sort là. C'est éprouvant quand même. Bon bah là... Bah ça c'est con de pas le prendre. Voilà. Ça aussi. C'est lui qui me tue, ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Bah écoutez... Oh merde, ça serait trop bien, mais j'aurais plus d'argent là, de toute façon. Non, mais j'aurais dû prendre la clé par contre, j'étais bête. Allez, Loki. Allez, Loki. C'est bien ça. Oui. Ça aussi, c'est bien. Non, il manque une pièce. Nique ta mère. Ah, je suis tellement deg. Ah, ça aurait été parfait. Il n'y a pas moyen d'avoir une pièce. Il n'y a pas moyen de gratter quelque part. Ah putain, il faut que je le tente là. Oh là là, c'est vachement risqué quand même. Hein. Allez. Il peut y avoir Krampus. Il peut y avoir Krampus. Il n'y a pas Krampus. Mais il peut y avoir une saloperie quelque part quand même. On veut juste une pièce hein, quand même. Je le rappelle. D'accord. Eh bien, nous nous sommes fait enculer. Putain, une pièce, les gens, ça me fait trop chier. Ah, ça fait trop chier. Putain, je le sens tellement mal. Oh oui! Allez, un truc bien là. Gift team boomerang effect. C'est pas terrible, mais bon, on va le prendre. Hein. Du coup, ça fait quoi ça? Ça fait ça? Non, ça change rien par rapport à ça, mais bon. Pourquoi pas? Un cœur, c'est bien. Un demi-cœur, c'est bien. Franchement, c'est pas ouf. Hein. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. On va prendre la... Oh, c'est super chaud de m'imposer ça. Là. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez que le Mom's Knife, c'est quand même craqué du cul. Waouh! J'avais pas vu que c'était ça, moi. Normalement, il y en a pas en bas. Oh, waouh. Beaucoup de dommages. Et... Beaucoup de plaisir aussi dans le fait de les tuer. Non! C'est bon. Moi, j'ai bien fait de prendre le cube of meat plutôt que l'autre, hein, en vrai. Je pense que j'ai plus de chances de m'en sortir grâce à ça que de perdre des dommages à cause... Enfin, de gagner des points de vie à cause du... Grâce... Hop. Waouh. Ils sont dégueux quand même. Bon, bah on va prendre elle.
on va prendre ça. C'est tout. Ah, le couteau, ouais, mais il y avait pas de choix vraiment en vrai. Le couteau, c'était obligé, même si ça me faisait perdre de cœur, à ce niveau-là, c'est plus des cœurs, quoi. C'est... De toute façon, en grid, ça porte bien son nom, il faut vraiment prendre des risques. Si vous prenez pas de risques, vous gagnerez pas. Merde. Par contre, des risques mesurés, pas jouer mal. Hein. Faut bien d'accord que c'est pas la même chose. Alors, c'est trop bien parce que Mostro 2 fait des dégâts à ses alliés. Et voilà. 14. Non. Ah, c'est pas grave, on aura plus à l'étage du dessous. Hein. Jamais vu ce monstre. Jamais vu. Il est horrible. Le dét... Ah putain, en plus c'est que des petits vers. Ah mais puis en plus ceux-là ils sont horribles, non? J'ai jamais vu cette horreur. Qu'est-ce que c'est censé être? Oh. Wow! Ah d'accord! C'est fun! Jamais vu ça. Bon, c'est cool, deux Black Art. Ouais, une bombe, parfait. Bon. Ah, il y en a un avant... Ah oui, c'est le chest, peut-être. Pff, c'est pas terrible. C'est pas ouf. Ah, ça va donner de la thune après, mais... Honnêtement, c'est pas ouf. Bombs are key. Pretty Fly, excellent. De quoi recharger un objet actif. Bah... Ouais, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux que j'achète des Soul Heart. Oh non, sérieusement. En vrai, je pense qu'il vaut mieux que je me blinde de Soul Heart. Ou que je prenne rien. On va rien prendre pour le moment. C'est quoi là? Ah d'accord. Il y en a deux, ça va. Il y en a un autre. Waouh, 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 waouh. Ah oui, 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 oui. Non, non, c'est pas... Non, 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 non. Oh, putain de merde. Mais je vais crever, là. Il y a encore un fantôme ou pas? Non. Oh, putain, j'avais oublié qu'ils explosaient. Ah, elle est super grande, cette pièce, hein, quand même. Merde, 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 nique ta mère! Ah putain, elle était horrible cette pièce! Tu votes pour la picouse? Ouais. C'est bien parce que c'est toi. Ouais. Fun guy! C'est quoi fun guy?
3 champignons. J'en ai combien? J'en ai eu un. Non, j'en ai eu 0 dans cette run là. Ça vaut pas le coup. Non, le fun guy, il n'augmente pas ma vie. Hein. Celui-là, c'est speed et range. Ça augmente ma vitesse, mais pas mon range. Donc non, ça ne vaut pas le coup. Par contre, ça, oui. Cool. Alors ça, il y a des boss de merde. Ça en fait partie, hein. D'accord. La mort, hein, si jamais. Merde. Je l'ai raté. Putain. Et putain. Très mauvais là. Hein. Putain, mais j'y arrive pas. Merde, je vais pas le squelette. Quand même. C'est pas une armée là? Non. Il était nul. C'est quoi ça? Je ne me rappelle pas. Une chance que... de tirer une... qui tue instantanément les gens. Non, ça vaut pas le coup. J'ai pas assez de cœur. Allez. Je joue petit Kiki, mais sincèrement, c'est pour le mieux. La musique est cool là, le lac, sac, tac, tac. Donc Non, fun guy, oui, mais folklore, c'est la transformation qui me donne le cœur. Ah, y'a rien là, j'avais oublié. Un petit peu ma vie. Ça, c'est The Chest, hein, c'est ça. Hein. C'est le passage de The Chest, je sais pas. Un petit boss. Ouais, je pense que c'est que des boss. Enfin, je croyais que c'était que des boss. Ah, c'est cool de tomber sur la grid. Enfin, pas grid. Si, c'est grid. Je fais de la merde. Oh putain, non mais sérieux, tu te fous de ma gueule, ceux-là, ils sont horribles. La range avec le couteau de mom, c'est quand même la vie, hein. Vite, vite. Ah, putain, le con. Il est bien, ça, en vrai, non? Je sais plus. Non. Puis je dis, c'est bien, mais ça vaut pas le coup, là, quoi. Bah, on va prendre ça, hein. Le kiffot. Ça servait vraiment à rien.
Ah, c'est cool ça. Ah putain, j'arrive jamais à identifier ces deux alors. Quand ça fait 2 ans que je n'ai pas joué, c'est un peu pire. Là c'est que 11. Que 10. Bah écoutez, quitte à avoir que 10. Non, je vais quand même faire la salle spéciale, regardez. Ah. Pas cool. Vous parlez du fait que c'était pas un shmup. Je suis mort, je pense. Ah non. Moi, je suis pas mal. Je suis presque mort, quand même. Allez. Un boss, je suis mort. Non, même pas. Wheel of Fortune, ouais. Two of Spades. C'est quoi, Two of Spades? C'est les clés? Two of Spades. Pas vraiment le choix. Wow. Non. Attendez pas à ça. Une pièce, ouais. Bon bah c'est ultra grid du coup. Oh là là, c'est ça Ultra Grid, mais c'est facile hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont dit bah ça va en fait. C'est juste 2 fois grid et 1 fois Ultra Grid. Bah c'est super simple. En plus j'ai gagné plein de... J'ai gagné plein de pièces. Oh et des araignées. Bah c'est très bien Ultra Grid, moi je suis pour, oui. Ah! C'est ça, Ultra Grid! Putain, il va me faire tellement de dégâts. Non, 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 voilà. Pourquoi il spawn des trucs de merde? Oh, je suis mort là. J'avais pas fait gaffe au nombre de dégâts qu'il m'avait fait. Et oui, il respawn de la vie, hein, je précise. Voilà. Bon, pas énormément, mais quand même. Ça, c'est des bombes. Voilà, si je fais un quart de sa vie, je m'estime heureux. Voilà. Hé hey, j'ai fait un quart de sa... Au moins un quart de sa vie. Et voilà. Donc, il est vraiment cool, hein, Grid, à faire quand on a un bon build. Mais quand on a 3 de vie, c'est pas possible. Et surtout qu'il est... je crois que sa vie est en rapport avec votre DPS. Donc, voilà. Pas un bon choix, pas un bon choix. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait plein de... Il y a adultes, par exemple, qu'il n'y avait pas avant. La voix d'Isaac devient plus forte. Ça, tu gagnes 1 point de vie. D'accord. Il y a Bookworm que j'avais jamais vu. Spider Baby que j'avais jamais vu. Stompy non plus. C'est cool. Bah oui, c'était pas si mal comme run. En vrai, on s'en est plutôt bien sorti. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Je suis mort. Et j'étais mauvais. Mais sinon, tout va bien. Fait exprès de pas activer le lissage, mais je déteste le lissage déjà. Je le trouve immonde. Pour moi, le lissage nique totalement l'esthétique du jeu qui est pixel art, quoi. J'aime pas du tout, moi. Liloulou, The Angel. Après, chacun ses goûts, hein. Je sais que j'ai des amis qui préfèrent, mais je trouve ça vraiment pas. Quand je trouve ça vraiment pas ouf. Mais bon, chacun ses goûts. Chacun ce goût de merde aussi, hein, aussi bien, j'ai un mauvais goût, ouais.
Bon, et ben du coup, les gens, je vous dis à ce soir pour le premier live sur Arx Fatalis. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de venir découvrir le jeu. Et aussi bien, ça vous convaincra d'y jouer. Et puis peut-être de regarder les lives, ça serait cool aussi. Mais, mais franchement, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment top. Je pense qu'il passera très bien en live. On pourra faire des choix en live, etc. Il y a beaucoup de choix moraux à faire. Il y a beaucoup de quêtes secondaires, beaucoup de trucs à explorer. C'est vraiment très cool. Je me rappelle de quelques trucs qui sont vraiment sympas. Et d'autres que je ne me rappelle pas du tout. Donc ça va être très très bien. Donc on se voit ce soir à 21h. N'oubliez pas non plus que vendredi soir, c'est le premier épisode des aventures de Bidule saison 3. Qu'il y a des Pokémon à designer. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de dessiner un Pokémon. Les instructions sont ici. Et du coup, on votera pour les Pokémon là. Donc les Pokémon en question, il y a une liste. Hein, mais voilà, vous avez Corniboule qui évolue en Cornisphère, qui évolue en Cornicube. Casse-écran qui évolue en Mététaré, qui évolue en Bombavola. Cthulhu qui évolue en Cthulhu, qui évolue en Ch'tululu. Gros tas de merde. Jexico qui devient Jexinazi. Citronçonneuse. Agrogrou qui devient Ça fait peur. Julie Pierre qui devient Boîte à lunch. Gros rocher qui fait mal. Qui devient Gros rocher qui fait encore plus mal. Cancer qui devient Métastase. 1m50 et DDD. Tu as testé Cultissimator. Alors, les devs me l'ont offert, j'ai essayé, et le truc, c'est que c'est que du texte et en anglais. Du coup, le problème, c'est qu'en live, je ne pense pas que ça soit un très bon choix. À voir. Bref, on se voit ce soir. Bisous, bisous, bisous partout. Je vous laisse avec le générique de fin et le superbe écran de fin. Bientôt. Ciao. À ce soir. Je rappelle aussi qu'on fait un Globe Horror qui sera cool et que dimanche, comme tous les dimanches, c'est Delta Green. Mais si vous ne savez pas ça, maintenant, c'est quand même que votre vie a... Il s'est passé quelque chose. Hein. Si vous ne connaissez pas Delta Green, si vous ne savez pas que c'est Delta Green, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?